Si vous aussi vous faites ça, vous serez très bientôt hors la loi. Et oui, jeter ces biodéchets, autrement dit ces déchets de cuisine ou autres matières organiques à la poubelle, sera interdit à partir du 1er janvier 2024. Alors rassurez-vous, je vais bien vous parler de jardinage ensuite, mais j'avais envie de profiter de cette nouvelle législation qui nous fait un beau sujet d'introduction pour parler du sujet du compostage. Le compostage obligatoire fait partie des dispositifs mis en place par la loi anti-gaspillage de 2020. Et donc cette loi dit que tous les Français vont devoir composter leurs biodéchets à partir du 1er janvier 2024, et ces biodéchets, ça représente quand même 30% en moyenne de ce que vous mettez dans vos poubelles. Et ce dispositif concerne tous les Français, que ce soit les particuliers, les familles, voire les grosses entreprises, les restaurants, etc. À partir de là, deux solutions. Soit faire du compost chez vous, et là il y a des tas de façons de faire, et faire des tas est une de ces façons. Ou alors trier ces biodéchets qui seront mis dans un contenant dédié à ça, jeter dans un conteneur dédié à ça, qui sera récupéré régulièrement par un camion ben dédié aux biodéchets, exactement comme on fait pour toutes nos poubelles aujourd'hui. Comme je le disais, cette vidéo ne sera qu'une introduction d'une série qui sera dédiée aux différentes façons de faire du compost et de rendre vos jardins fertiles. Et on va voir dès aujourd'hui quelques bases. Mais avant ça, j'aimerais vous poser une question et peut-être vous demander quelques conseils. D'abord, qu'est-ce que ça vous a fait, cette petite intro, cette mise en scène? Oui, c'était une mise en scène où je jette mes biodéchets, mes déchets de cuisine à la poubelle. De la même façon, qu'est-ce que ça vous fait quand vous êtes chez des amis qui vous invitent à manger et que vous voyez les gens qui cuisinent et qui jettent leurs déchets de cuisine à la poubelle? Est-ce que ça vous agace? Est-ce que vous avez déjà essayé de les raisonner en leur parlant d'écologie, de pollution, de climat ou de quoi que ce soit dans le genre? Et est-ce que vous aussi, on vous a répondu, vous faites chier les écolos, avec vous on peut plus rien faire? Perso, j'en suis aujourd'hui à me dire que ces arguments-là ne prennent pas. Dire que en compostant ces biodéchets, on pourra produire quelque chose qui va rendre votre jardin plus fertile et productif, bon, ça marche pour les gens qui ont un jardin, t'as pas de jardin, ça sert à rien. Dire que en ne mettant pas tous ces biodéchets, vous allez arrêter d'avoir des poubelles qui puent la mort et qui soient défoncées par un chien ou un renard qui passe par là, bon, pour ceux qui ont un conteneur devant chez eux, c'est pratique et on peut le faire quand même. D'ailleurs, moi je vous dis ça, mais si ça se trouve, certains d'entre vous qui me regardez, faites partie de ces gens qui mettent leurs déchets de cuisine à la poubelle, par ignorance ou je sais quoi. Je vous en veux pas, mais juste j'aimerais comprendre et savoir quels sont les arguments, et c'est ça ma question, quels sont les arguments qui pourraient vous faire remettre en question ces pratiques, qui pourraient vous faire changer d'avis, et qui à terme pourraient vous faire rajouter une poubelle de plus chez vous, en plus de la poubelle où on met tous les déchets, la poubelle de recyclage, la poubelle pour le verre. Bon, bientôt il va falloir agrandir nos appartements, nos maisons, juste pour avoir la place de mettre assez de poubelles pour faire tout ce tri. Mais on en est à un stade aujourd'hui où on va avoir besoin de le faire. Bref, répondez-moi si vous avez des idées, et sachez que de toute façon, bientôt, vous n'aurez plus le droit de le faire. Et oui, dans ce pays, il y a des lois. Oui, gendarmerie, j'écoute. Allô, la gendarmerie? Oui, dites, j'ai senti une très mauvaise odeur dans les poubelles de mes voisins. Je pense qu'ils jettent encore leurs déchets de cuisine dans la poubelle, hein. Ah non, vous faites chier les écolos. Non, si on vous écoutait, on pourrait faire un terme. Comment ça, vous faites chier les écolos? Moi j'essaie juste de me rendre utile. Allez, désolé pour cette intro un peu longue, l'idée c'était pas de faire le donneur de leçons. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc si l'idée de faire du compost chez vous, ça vous intéresse pas et que vous avez pas du tout envie de changer d'avis, bah moi je vous invite juste à changer de chaîne. À partir de là, ceux qui veulent bien rester et m'écouter, on va rentrer dans le vif du sujet et parler compost et fertilité. C'est parti. Pour repartir de la base, il faut savoir que le sol est composé d'une partie de matière minérale qui vient de la roche du sol et d'une partie de matière organique qui est au final très infime. Un sol peut contenir entre 1 et jusqu'à 10% de matière organique pour les sols très très riches, et les sols agricoles très pauvres peuvent descendre jusqu'à 1%. Là c'est très peu. Ce qui se passe, c'est que la matière organique va nourrir la vie du sol et va la rendre active. En fait, elle va surtout nourrir les bactéries et les champignons. Les bactéries vont d'une part dissoudre non seulement cette matière organique, mais aussi la partie minérale et les roches qui sont dans votre sol. Et le résultat de cette dissolution va produire de la fertilité qui va nourrir les plantes. D'autre part, les bactéries vont aussi servir elles-mêmes de nourriture à une partie de la vie du sol, de la faune du sol, les vers de terre, les micro-arthropodes, etc. Et tout ça va rendre donc cette vie active, ce qui va maintenir la structure et donc aussi en parallèle la fertilité du sol. Les champignons, eux, vont digérer certains composants végétaux de cette matière organique et notamment la lignine, et en produire des résidus qui serviront eux aussi de nourriture aux plantes. Et de notre côté, d'autres résidus seront produits qui eux serviront à produire un humus stable qui va rester dans votre sol et encore augmenter ses qualités. Mais c'est pas tout, la matière organique c'est aussi une colle structurante qui va maintenir la stabilité de votre sol, c'est une éponge qui va capter et garder l'eau et limiter les besoins d'arrosage que vous aurez derrière, et c'est aussi une espèce d'aimant qui va garder collé à elle différents éléments nutritifs qui peuvent être dans votre sol et éviter qu'ils soient perdus. Et c'est toujours pas tout, il faut savoir que la matière organique est essentiellement composée de carbone, et donc en faisant en sorte d'avoir le plus possible de matière organique dans votre sol, et ben vous allez stocker du carbone dans le sol et donc limiter sa présence sous forme gazeuse dans l'atmosphère et donc
En augmentant le taux de matière organique du sol, on agit aussi sur le climat. Et un petit dernier pour la route, en augmentant le taux de matière organique à la surface de votre sol, vous allez limiter le travail de désherbage, ce qui est une charge, que ce soit du désherbage manuel ou chimique. C'est pas mal aussi. Bon, à ce stade, si vous n'êtes toujours pas convaincu, moi, je sais plus quoi faire. Bon, tout ça c'est bien sympa, mais c'est encore bien loin d'être précis ni complet. Matière organique, compost, humus, c'est des mots sympas, mais on va voir de quoi il s'agit exactement. La matière organique, c'est tout ce qui est d'origine vivante que vous allez pouvoir ramener dans votre jardin. Ça peut être de la paille, du foin que vous utilisez en paillage, ça peut être le fumier des voisins, les feuilles mortes que vous utilisez dans la forêt. Voilà, tout ça. On en a un petit tas derrière moi là. Le compost, c'est cette même matière organique qui s'est décomposée et qui offre un produit plus ou moins homogène. Il peut être jeune ou vieux selon son état de décomposition. Et l'humus, eh ben, c'est des débris très très fins de déchets végétaux qui vont rester dans le sol et lui donner sa couleur brune. C'est ça qui fait notamment que dans les sols, dans les zones forestières, le sol est beaucoup plus foncé. Une partie de cet humus va être lentement décomposée, minéralisée par la vie du sol et assurer la nutrition des plantes. Et une autre partie va rester un peu plus longtemps, un peu plus durablement dans les sols. Et c'est ce qui va, sur le long terme, assurer la stabilité, la fertilité des sols. Je vais maintenant vous présenter les différents types de compost qui existent. Et vous allez voir qu'il y a le bon compost et le mauvais compost. En gros, il y a les composts classiques qu'on fait en tas au fond du jardin, ou pas au fond d'ailleurs. On les lit à chaud ou à froid, et la différence sera évidemment la température que va atteindre le cœur du tas de compost pendant la décomposition. Donc tout simplement, le compost en tas à froid, c'est un tas qui va se monter petit à petit. On rajoute de la matière organique au-dessus, et puis le tas monte petit à petit, puis quand on arrive en haut, le bas du tas de compost qui a été mis en place il y a très longtemps a fini de se décomposer, et le compost est prêt, et ne sera pas monté en température. Et le compost à chaud, lui, par contre, va être monté en une seule fois. On va faire différentes couches de différents ingrédients, ça c'est un sujet qu'on verra plus tard, mais ces différents ingrédients seront mis en même temps et donc la décomposition va commencer très très rapidement et le cœur du tas de compost va pouvoir monter à des températures de 60-70 degrés. Alors les composts qu'on peut faire dans les conteneurs en plastique qui sont fournis par les communes ou qu'on peut acheter dans le commerce, ça sera exactement la même chose, ça dépendra vraiment de quelle manière ils ont été mis en place. Alors la qualité de ces composts là va dépendre de la façon dont ils ont été menés, aérés pendant tout le processus de décomposition et aussi des différents ingrédients qu'on aura mis dans ces composts. Alors en ce qui concerne ces ingrédients, je vous en parle un tout petit peu juste après, mais c'est un gros sujet. Donc je développerai vraiment ça beaucoup plus dans des prochaines vidéos. Ensuite, vous avez le lombricompost, qui est un compost qui se fait dans un bac fermé dans lequel il y a des vers. Et en général, ce compost, on le fait avec les déchets de cuisine qu'on utilise pour nourrir les vers. Alors ça, c'est un compost qui va être très fertilisant, mais pas forcément aussi facile à utiliser qu'on le croit. On peut aussi, pourquoi pas, utiliser le compost de nos toilettes sèches. Il peut être très intéressant, mais encore une fois, attention à la manière dont vous l'utilisez pour ne pas risquer certains problèmes sanitaires. Un autre compost qu'on pourrait dire express, c'est la méthode Berkeley. C'est un compost qu'on va faire en tas, mais qu'on va remuer très régulièrement. Et ce compost va pouvoir se faire en quelques jours ou 2-3 semaines maximum. Alors qu'un compost en tas, comme on l'a vu plus tôt, bah celui-là, il va prendre entre 3 mois, 6 mois et des fois jusqu'à 9 mois selon la saison à laquelle on le fait. Et enfin, une dernière méthode que vous êtes même nombreux à ne pas prendre comme une méthode de compostage, c'est ce qu'on appelle le compostage de surface. Autrement dit, on va prendre tous nos déchets organiques et on va les mettre en surface dans le jardin. Sous le paillage éventuellement, si vous avez un paillage, ça fera plus propre et ça va se décomposer directement en place et nourrir directement vos cultures. Alors voilà pour les différentes méthodes qu'on peut pratiquer à la maison, au jardin, mais c'est pas fini. Il y a aussi les composts qu'on peut trouver dans le commerce ou notamment dans les déchetteries qu'on appelle le compost de déchets verts. C'est un compost qu'on peut trouver en d'assez grosses quantités et à des prix souvent intéressants. Mais attention, c'est pas forcément le compost le plus intéressant, le plus nutritif qui soit, en tout cas pas aussi nutritif qu'un bon compost fait maison. Ah, on est au moins à 50-60 degrés là. Cela dit, ce compost-là peut quand même avoir différents intérêts. Et bien tout ça, ça sera développé dans une autre vidéo que je vous prépare pour bientôt. Bon, comme je le disais plus tôt, la qualité d'un compost dépendra de deux choses. D'un côté, la façon dont il a été fait. Par exemple, un compostage qui sera fait à chaud par la montée en température, ça va vous débarrasser des graines de plantes indésirables ou de certains pathogènes qui pourraient s'y trouver, comme par exemple le mildiou ou d'autres types de champignons, comme par exemple certains pathogènes qu'on pourrait trouver dans le compost de toilette sèche. D'autre part, la qualité du compost dépendra beaucoup des ingrédients que vous y mettez. Et là, on a un morceau super important. Globalement, il va y avoir deux types d'ingrédients qu'on peut mettre dans un compost. D'un côté, les ingrédients qu'on va dire plutôt azotés,
tout ce qui est déchets frais, déchets de cuisine, et puis sur de légumes et compagnie. Tout ce qui est tonte d'herbes fraîches, ou d'ortie, de consoude, ou de tout type de végétaux plutôt jaunes, les déjections animales, fumier, etc. Tout ça, ça va donner un compost qui va être très nutritif, qui va être rapidement décomposé, qui peut être très intéressant, notamment pour le potager où on va cultiver des légumes, des plantes plutôt gourmandes. Par contre, si vous en mettez trop de ces déchets azotés, vous risquez d'avoir un compost qui va se tasser, qui va s'étouffer, qui ne va pas pouvoir respirer, qui va se mettre à puer la mort, et vous aurez un compost qui ne sera pas aussi intéressant qu'attendu. À côté de ça, on a les déchets plus ligneux, donc ça peut être tout ce qui est broyat de bois, BRF, feuilles mortes plutôt sèches, tout ce qui est végétaux très très avancés plutôt ligneux, paille, foin, etc., carton par exemple. Tout ça, ça va être intéressant, ça pourrait donner un compost qui va être très intéressant pour le sol, qui va faire monter le taux d'humus de sol et qui va donner un sol de meilleure qualité sur le long terme. Par contre, encore une fois, si vous en mettez trop, vous allez avoir un compost qui va trop respirer, qui va finir par sécher, et la décomposition va s'arrêter. Tout dépendra donc du bon rapport entre ces deux types d'ingrédients, le fameux rapport carbone-azote. Un compost bien équilibré sera d'un côté très nutritif pour les végétaux sur le court terme, et d'un autre côté, apportera des choses au sol, de l'humus stable au sol, qui fera que votre sol sera stable et nutritif sur le long terme. Et selon les besoins, vous pourrez varier les recettes, varier les méthodes, pour obtenir soit un compost qui sera plus fertile, plus rapidement nutritif pour les plantes, plus intéressant pour le potager, ou alors un compost plus ligneux qui sera plus intéressant pour le sol sur le long terme, intéressant pour le jardin forêt ou pour le verger ou quoi, ou pour recycler des matières que vous pourriez avoir en trop grosse quantité. Bref, voilà, vous pourrez vous adapter selon vos besoins. Et maintenant, quelles sont les bonnes pratiques, les bonnes méthodes, les bons ingrédients, les mauvais ingrédients, les erreurs à éviter? Là, il y a tellement de choses à dire que je suis désolé, il va falloir attendre une prochaine vidéo pour qu'on développe tout ça. À partir de là, je vais attendre vos remarques, vos critiques, vos questions, vos demandes, quelles qu'elles soient, pour voir sur quel type de vidéo je vais continuer, à savoir qu'il y a déjà une vidéo sur le lombricompost qui a été faite il y a quelques temps, je vous mets un lien par là. Et puis, dites-moi, moi j'ai déjà des projets de vidéos sur différentes recettes de compost que je vais vous faire pour bientôt, mais n'hésitez pas à me demander dans les commentaires qu'est-ce que vous attendez le plus. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas déjà à vous entraîner, à vous amuser à faire quelques types de compost. C'est la vidéo sort là en automne, c'est le bon moment pour commencer à produire du compost, à savoir qu'on peut en faire à n'importe quel moment, mais là l'automne c'est le bon moment pour qu'il soit prêt au printemps pour pouvoir l'utiliser au jardin. Mais voilà, si vous n'avez pas envie de vous lancer maintenant, promis, je vous sors des recettes très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu, intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à mettre des petits pouces en l'air, à la partager autour de vous. Si ce que je fais vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne si ça vous dit. Et puis, si vous avez envie de me soutenir, comme d'habitude, rappel en fin de vidéo, cette chaîne fonctionne grâce au soutien de tous les tipeurs qui me suivent depuis un moment. Merci à tous ces gens-là qui s'affichent, sans qui je ne pourrais pas prendre le temps de faire toutes ces vidéos, tous ces temps de recherche et de montage et tout ça. Donc, un grand merci à vous tous. Et puis, pour le reste, je vous dis à très bientôt pour une recette de compost ou autre chose. À bientôt à tous. Salut.